dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les lots que j'ai reçus grâce au concours de Chloé Fimo 1. Donc le tout était emballé dans un petit sachet zip comme ceci. Et tout autour, ce que vous voyez en fait, c'était les petits décotapes qu'elle m'avait mis sur l'enveloppe. Donc elle avait du rose à fleurs et un petit comme ça avec des petites voitures, trop chou. Ensuite, j'ai reçu un petit mot d'idole qui est juste trop mimi. Moi, je suis... quand j'étais ado, en fait, c'était vraiment la grande mode des diddles. En fait, ça me rappelle vraiment mon enfance. Donc merci, j'adore diddle. J'ai collectionné les papiers et tout, enfin, c'était génial. Donc j'ai reçu plein de trucs. Franchement, énormément de trucs. Donc j'ai reçu, alors, des rubans. Donc, du violet, qui est juste trop trop beau. J'en ai reçu du bleu turquoise, qui est juste trop trop beau aussi. Et vous voyez les quantités, c'est énorme. J'en ai reçu du rouge. Là, pareil, il y en a vraiment beaucoup. Et de l'organza, peut-être 10 mm. Voilà, marron. Donc, voilà pour les rubans. J'ai reçu un petit sachet avec des perles. Donc, un peu facettes. Donc, des chocolats et des vertes anis, on va dire. Oups, il s'est ouvert le petit sachet. J'ai reçu plusieurs cannes. Deux entières et deux demi. Oups. Donc pour les entières, ce sont... Oups. Alors, une petite paire de cerises et une pomme. J'ai reçu une banane entière. Enfin, oui, banane entière, mais sauf que la canne est demi. Vous arrivez à suivre? Et un petit maquis que Chloé Fimo a fait elle-même. Bravo à toi. Et je ferai sûrement une petite création avec ces maquis-là. Et je l'appellerai la création Chloé Fimo 1. J'ai reçu un petit sachet avec des perles vanillées de toutes les couleurs. Un autre avec des mini billes vertanis. Ah ouais, vous voyez mieux avec la transparence. Un petit sachet de faux sucre rouge, super fin. Et un autre, un peu plus rempli, d'un bleu qui est juste magnifique. Il est super beau ce bleu-là. Voilà. J'ai reçu un autre sachet avec à l'intérieur un mousqueton et deux straps. Un jaune pâle et un vert pâle. Voilà. Un sachet avec plein de petites barrettes, des pinces clips. Donc je crois qu'il y en a 5. Voilà. Donc en fait on peut coller une création ici. Hein. J'ai reçu 10 paires, il me semble, de boucles d'oreilles dormeuses. Donc c'est la première fois que je vais pouvoir tester ces boucles d'oreilles là. Parce que généralement j'ai toujours eu les boucles d'oreilles crochées en fait. Et elles sont toutes petites je trouve et c'est vraiment génial. Donc voilà, je vais pouvoir tester. Ensuite j'ai reçu donc les fameuses boucles d'oreilles crochées. Donc il me semble qu'il y a aussi 10 paires mais j'ai pas recompté. Fermoir griffe, enfin des griffes de court je crois. Voilà, elles sont toutes petites. Voilà, une bonne cinquantaine je dirais, ou une bonne trentaine, ouais, on va dire 40, allez, pour faire un juste milieu, de clous à œil. Pareil, j'ai pas recompté hein. Voilà, mais il y en a beaucoup. J'ai aussi eu plusieurs breloques, donc il y en a à chaque fois deux de chaque. Je vais vous en sortir une de chaque pour que vous puissiez voir. Alors j'ai eu une cuillère, donc il y en a deux à chaque fois. Hein. Un petit oiseau comme ça, juste trop mimi. J'adore cette breloque. Une étoile just for you.
de Peace and Love. J'ai aussi deux petits cœurs handmade. Que c'est des breloques que j'avais jamais vues, celles-là. Elles sont toutes mimi, j'en avais jamais vues. Deux connecteurs nœuds. Et ces breloques-là, je les adore. Ouais, je les trouve trop, trop belles. Donc voilà. Et donc, comme je vous le disais, il y en a deux à chaque fois. Voilà. J'ai eu 7 bâtons de glace. Donc on peut en faire, enfin on peut faire 14 glaces. J'ai eu un pain de Fimo soft numéro 7 caramel. Et franchement, c'est génial de donner des pains de Fimo dans les concours. Parce que ça coûte assez cher quand même un pain de Fimo. Et bah merci, franchement, c'est énorme. Quoi. Enfin, pour tout, quoi. Tout est énorme. Après, j'ai reçu plein de grelots. Alors, je suppose que c'est ceux qui viennent de la boutique de, qui s'appelle Perlaya. Moi, quand j'avais fait ma commande chez Perlaya, il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock et j'étais juste trop dégoûtée. Et comme je commande pas très souvent non plus, ben depuis j'ai pas recommandé. Et grâce à toi maintenant j'ai mes petits grelots de toutes les couleurs et je suis juste trop contente parce que j'en cherchais partout. Et à part chez Perlaya j'en trouvais pas, enfin à part sur internet j'en trouvais pas quoi. Merci beaucoup à toi. Et je ne mens pas, il y a 19 nœuds. Et j'aime bien parce que dans ton concours, tu disais oui, c'est pas vraiment des très gros lots et tout. Et en fait, moi, en regardant ta vidéo, je me disais non, mais rigole là. Tes lots, ils sont juste géniaux, hein, je te rassure, n'aie pas peur. Franchement, c'est juste génial quoi. Regardez tout ce qu'il y a. Waouh! Alors, j'en ai eu deux sortes de bleus. Donc, j'en ai eu un bleu un peu turquoise à pois blanc et un Vichy. Bleu un petit peu plus bleu ciel. J'ai eu plein de roses, donc j'ai eu deux Vichy roses comme ça. Hop. J'en ai eu un rose pastel à pois blanc. Deux roses comme ceci, enfin tout le monde appelle ce rose-là rose Barbie. Moi j'en avais jamais eu encore des nœuds rose Barbie et ils sont juste trop beaux. J'adore la couleur. Après, j'en ai eu plusieurs violets. Donc j'ai eu deux Vichy violets. Et deux violets à pois. J'ai eu deux blancs à pois noir. Je les trouve trop trop beaux ceux-là. Un noir à pois blanc. Un noir Vichy. Un rouge Vichy. Un jaune fluo à pois blanc et un vert super pastel à pois blanc et il y en avait un qui était caché, je ne l'ai pas vu, un petit chocolat à pois blanc. Voilà pour tous les nœuds qui ont, franchement il y en a énormément. Donc merci beaucoup. Et ensuite j'ai eu des cadeaux. Alors tout d'abord j'ai eu un petit moule comme ceci, cupcake en fait. Alors comme je ne l'ai pas vu, enfin il me semble pas l'avoir vu dans ta vidéo, j'en ai déduit que c'était un petit cadeau. Donc voilà, il est super souple. Hein. Voilà. Et un super cadeau. J'ai eu une petite création, donc en fait c'est une bague cookie et je la trouve juste trop bien faite. Franchement bravo à toi, elle est super réaliste. Franchement, elle est super belle. Voilà ce que ça donne portée. Donc franchement, Chloé, merci beaucoup. Elle est super jolie, ta petite bague. Donc voilà. Je la trouve trop bien faite, en fait. Super réaliste. Donc voilà, c'était tous les lots que j'ai reçus de la part de Chloé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Chloé, je te fais de très gros bisous. Je te remercie encore pour ce concours. Et bah tous les lots quoi, c'est juste waouh. Et de m'avoir décerné ben, la première place. T'avais l'air super heureuse de voir que je participais à ton concours. Mais tu sais, c'est rien. Hein. Enfin moi j'adore tes vidéos, j'adore tes créations.
Donc, quand j'ai vu que tu lançais un concours et que les thèmes me convenaient, les lots est parfait. Donc, du coup, bah, j'y ai participé tout simplement. Donc, voilà. Bah, je vous fais gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!